Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché. Le chien qui a été aboyé là, tu vas pas commencer, hein. Ah bah d'accord. Ce chien, c'est pas possible d'ailleurs. Il y a une chose que je vais faire, c'est je supprime les berceaux, le berçal, les berceaux, puisque on aura plus de gommes. Hein. Voilà, c'est fini. Hein. J'en ai assez bavé avec les jumeaux. Qui sont en train de faire un beau petit dodo. Bien sûr, il y a eu du relooking dans l'air, n'est-ce pas? Et la petite arène, elle continue de jouer. Pour l'instant, elle est tranquille, elle est sage. Et elle va grandir, eh bien, aujourd'hui, je pense. Mais Drazik, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Et ce gamin, il a des problèmes. Il est somnambule ou insomniaque, je sais pas. Mais il a un souci. Va te coucher. Pour moi, tu dormais. Hein? Oui, bah oh, t'as froid, bah hey, sous ta couette avec ta cheminée, crois-moi que tu seras mieux. Allez, maintenant tu dors, tu te tais. Le chien, il veut quoi? Alors j'ai relooké, hein, je lui ai enlevé ce pull magnifique rose. Voilà, je lui ai mis ce petit pull là. Bah oui, bah alors, qu'est-ce que tu veux? Tu peux très bien sortir pour aller faire tes besoins là, t'es relou hein, le chien, franchement. C'est pour ça que je préfère les chats, moi. Les chats, ils demandent rien à personne, ils font leur life. Ah, voilà le petit pipi qui va bien. Tac, tac, tac. Deux, trois pas, histoire de pas faire le cadeau surprise au même endroit. Non? Tu vas pas nous faire un petit caca? Si tu nous fais une crotte d'or, on t'aimera. Mais... Oh, c'est pas vrai. C'est une teigne. Regardez-moi ça. Tu te tais, Darren! Darren! Mais... Mais quelle teigne celle-ci! Oh, va aux toilettes, quoi! Occupe-toi! Mais qu'est-ce que t'as besoin d'emmerder ton frère? En plus, tu. Ouh! Dors, va dormir! Quoi? Mais tu vois, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il n'est pas l'heure de l'école, Coco! Non, mais elle, la Darren, c'est une teigne aussi, comme le chien! Ah bah, là, le chien! Dis pas qu'il va venir le réveiller aussi! Oh, une cheminée! J'ai peur des cheminées! Qu'est-ce que tu fais, le chien? Dégage! Le chien le plus relou du monde, quoi. Au secours. Ok, j'ai compris. Il veut jouer. Il n'a pas de babal. C'est vrai que je ne vais pas acheter de babal, le chien-chien. Bon, bah, je vais le faire. C'est bien, mon petit. C'est bien. Tu joues bien au docteur. Tu seras peut-être un futur médecin. Qui sait? Zen attitude, zen attitude, ne t'énerve pas, ce sont des bambins, ce sont que des petits pixels qui te font la misère. Zen attitude, ne t'énerve pas. Allez mon petit, c'est l'école, on est jeudi. Tu vas être... Ah bah tiens, t'es levé Dita. Tu vas à l'école comme un grand garçon. Regardez-moi, il est pas peu fier ce petit, hein. Il est conscient qu'il est beau gosse, hein, ça, c'est sûr. Quand papa Darion prépare le petit-déj. Bon, la petite, elle a déjà mangé, mais ce sera pour les deux autres monstres, là. Et pour sa petite femme d'amour. Attention, invasion de crapules. Des crapules aux cheveux noirs. Et hop. Attention. Et hop là. Voilà, ça c'est fait. Ils vont manger chacun à leur place. La petite Darren, tu pourras du coup aller faire un petit dodo. De toute façon, je lui ai pas mis un lit parce que ça sert à rien, elle va grandir. Donc franchement, voilà, ils peuvent se partager deux lits pour trois, ça passe. Oh, bah voilà, alors elle a gagné 2600 simflous, tu vas travailler à la maison, justement. Tu travailles à 11h maintenant? Non, tu travailles à midi, hein. Eh oui, il faut que tu relookes un sim. Ah, ouais, ça va être sympa. Tu vas surtout, on va bosser un peu tes compétences... c'est devant un miroir, on va te faire bosser le charisme. Ouais, tu vas faire ça. Comme ça. Normalement, ça passe le charisme. Oui, 7 on est à 7. Dès qu'elle atteindra le niveau 8, on trouvera bien un petit sim dans la rue pour le relooker. Voilà. Darion, on va jouer à la baballe avec D'Artagnan. Hein? Puis il faudrait qu'il aille laver, D'Artagnan. Alors, ça donne quoi? Ah putain, il pue. Va chercher la balle, D'Artagnan. Ouais. Oui, alors. Non, c'est pas se mettre dans la fougère, dans la... D'accord, il a pas l'air de comprendre beaucoup comment ça fonctionne.
Oh, tu es bon, mon chien, mais tu pues. Ah, la balle. Elle... D'accord, la balle, elle était là-bas, mais elle est revenue. Oui, tout est normal. Et pendant que maman travaille. Tu vas pas imiter, tu. Hé, non, c'est lequel celui-là? C'est Daryl. Oh là là, Daryl, t'es chiant aussi, hein. Tiens, tu vas faire un câlin, tu vas frapper, tu vas babiller, tu vas qu'est-ce que c'est? Et tu vas faire un peu les petits cubasses, comme ça tu te calmeras. Je crois que j'ai trouvé la cible idéale pour le relooking de Sim. Clément Sanchez, adulte de son état, bon, il est roux de naissance, mais avec la peau noire. On va peut-être lui conseiller quand même de se faire une petite teinture. Et là, au niveau des fringues d'hiver, on va pas dire que c'est possible, hein. Donc tu vas te présenter, en plus ça te fera travailler ton charisme, ma petite. On t'attend et on va relooker. Comment il s'appelle déjà? Clément! Voilà. Oh! Mais non, tu t'en vas pas! Viens, on va te parler! On est pas. On est sympa! On veut juste te relooker, t'inquiète, on va pas te faire de. On va pas toucher à ton corps directement, hein. Je sais pas, t'as peur? Comment ça se passe? N'aie pas peur! N'aie pas peur de nous! On va pas demander un petit prix, on va complimenter la tenue. Ouais, il a vraiment envie de partir, hein. Ah, c'est chiant, hein. Oh. Quel mannequin. Oh là là, quelle classe. Oh oui. Bon, on est quasiment au niveau 8, là. Il nous reste une interaction et on y est. Par contre, je sais même plus comment on fait pour relooker. Je ne sais plus comment on fait. Je n'ai plus l'interaction, je sais pas. Je m'en souviens plus comment on fait. C'est triste. Proposer de relooker! Ah, ben voilà, il fallait que ce soit juste une proposition. Tu vas recomplimenter la tenue, je sais pas, mais à un moment donné. Voilà, complimenter la tenue, machin. Ça y est, niveau 8! Bon, tu nous le relooks là, vite fait. Enfin, je vais le relooker. C'est quand tu veux, cocotte, parce que là. Ouais. Il va être 18h, t'auras pas fait ta tâche, donc. Mais rien va lui aller à ce mec, tu sais, il est roux avec la peau noire, donc c'est un mélange assez audacieux. Et voilà, le magnifique style de monsieur. Je sais plus comment c'est, Clément. Oh, oui! Ah oui, non, mais. Oh là là! Oh là là! Non, mais donc je vais perdre du temps à le relooker dans toutes les tenues, parce que on ne peut décemment pas le laisser sortir comme ça. Non, pas du tout. On le regarde de près. Et je vais le relooker. Et voilà pour le relooking de monsieur. Donc, je vais retoucher bien sûr les cheveux et la barbe. Bon, il n'est plus roux. Hein. C'était une jolie couleur, mais voilà, je l'ai convaincu qu'il fallait se teindre le tout. Donc, bien sûr, c'est un entretien. Hein. Après, on verra bien s'il n'a pas envie de devenir une barbe rouge ou barbe rousse. Il a voulu plutôt garder le style dandy, un peu chic, la chemise, tout ça, vu qu'il avait des chemises à tous les niveaux, il avait des chemises. Donc je lui ai mis cette tenue-là en tenue tous les jours. C'est vraiment très très basique, mais ça passe. En tenue habillée, nous avons déjà un peu plus rock'n'roll avec la couleur rouge qu'il aime tant. La tenue de sport, bon, voilà, décontracte, tout ça. La tenue de dodo aussi. La tenue de fête, là, on est un peu plus funky funky avec le pantalon moule bi. Là, chez les Sims, ça moule pas dans grand-chose, mais avec le haut, toujours avec la petite pochette, un peu dandy, quoi, tranquille. Le maillot de bain, ben, c'est un maillot de bain plus court qui lui sied mieux. En tenue de temps chaud, eh bien, nous sommes toujours sur la noir et blanc. Oui, bah, du coup, c'est ce qui a lui, il lui allait bien, donc on reste quand même sur une tenue un peu aussi chic, mais décontractée. Et en tenue d'hiver, je lui ai mis un peu de couleur avec ce pull-là qui est contenu gratuit qu'on a eu la dernière fois, j'ai jamais exploré. Un jean et des petits mocassins. Moi, voilà, il est relooké. Wow. Pourquoi il me. Ah, j'ai peur, punaise, qu'est-ce qu'elle fait à tomber en arrière? Pourquoi il me dit que t'as même atteint la compétence 9 en écriture? Ben non. Écriture, on est toujours à 8. Ouais, mais mon jeu, là, ça va pas. Bon, t'as fini ta tâche du jour. Au lieu de faire la gogole, là, dans la neige, tu vas réécrire, tu vas me refaire un livre de fantasy. Hein, voilà. Pendant que normalement, Darion s'occupe des gamins. Ah oui, ça faisait au moins 3-4 fois que je lui disais de nettoyer le petit. Il le fait enfin. Ah, et Bichette? Mais qu'est-ce que tu. Arrête! Viens là, ça va être ton tour après. Parce que là, tu pues aussi. Drazik! Drazik, mon petit garçon. Trop mignon, tu peux aller manger. C'est ce que tu comptais faire, c'est parfait. Et après, tu feras tes devoirs. Parce que c'est important dans la vie. Dita! Je t'ai dit d'aller bosser sur ton PC! Qu'est-ce que tu viens?
Oh là là, mais c'est incroyable, ces Sims, ils font leur life. C'est papa, qu'est-ce que tu vas faire, papa? Écoutez, tu vas demander, tu vas prendre un bain et c'est quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Allez voir le bon bain. Tu vas donner un bain à ta gosse? Darion, t'es pire que tout là, tu vas donner un bain à Daenerys. Alors le chien, ça, il y arrive tout de suite, hein, mais donner à ses gosses, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Bah oui, il faut les attraper et tout ça. Hein. Le chien, on le prend, on le trempe et puis c'est bon quoi. Bon, j'avais laissé un peu de côté l'aspiration de Madame Dita, hein, qu'il faut encore qu'on fasse 45 élans romantiques avec son conjoint et aller à 3 rancards, on doit gagner l'or. Rien que ça, donc ça, avec ça aussi, ça. Ah, je vais y arriver! Avec sa carrière qui doit atteindre le niveau 10, mais ça, on y est presque, hein, dès qu'on aura atteint tous nos objectifs, on devrait être au niveau 10 après. Donc, il nous reste encore des choses à faire pour sa aspiration. Et on n'oublie pas le groupe, notre cher groupe d'amis, où on a 1437. Il faut que je dépense pour avoir 10, 10 points, 10 points de compétences. Enfin, 10 points de compétences. 10 avantages de groupe. Et ben voilà, je sais qu'on en avait déjà acheté 2. Ah, avantages actifs 4. Ah, bah ben, c'est cool. Ça veut dire qu'il m'en reste 6 à acheter. Et on débloquera une pièce. Bon, écoutez, je vais le faire. Je vais voir ce que je vais faire et on va le faire tout de suite. Bon, Mégouré, en fait, on n'en a pas 4. On n'en a que 2. C'est les deux trucs qu'on avait achetés ici. Ça, c'est vraiment par défaut. Donc, je ne les ai pas achetés. On va donc acheter ça. Oui, ça nous en fait 3, 4. Ah mince, à chaque fois. Ah oui, on change, en fait. Bon, c'est pas grave, on est en 3. On va faire 4 ici. On va faire en bonus de compétences, on va faire la peinture. Ça fait 5. On va faire un bonus aussi de charisme. Donc ça fait 5. Et on peut pas plus. Ah oui, il nous reste 137 points. Déjà. Ambiance de groupe. Groupe colère, groupe confiance, tout ça. Ah oui. Bon, bah ça veut dire aussi que. Ah, je peux encore acheter ça. Bon, on va devoir faire encore quelques petites réunions avant de pouvoir vraiment finir d'acheter tous les avantages. Bah, papa, il aide les devoirs avec Adrasix, c'est mignon tout plein. Tu grandis quand, Darren? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu bois pas. Ah, elle clignote pas encore. Hein. On a hâte. Hein. Enfin, moi en tout cas. Invasion de bambins dans la cuisine. Invasion de bambins dans la cuisine. Papa, vite fait manger parce que là, on a des morveux qui ont faim et qui vont nous faire casser la baraque si ils n'ont pas ce qu'il faut. Non, Jamie, t'es sympa, mais là on peut pas. On peut plus. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Tiens, tu iras aussi manger. Ben toi, non, ça va aller. Alors, attendez, je mets sur pause parce que sinon, ça va. Oui, il va prendre sa part. Toi aussi, tu vas prendre ta part. Et Darren aussi. Oui, est-ce que Drazik a faim? Non, Drazik, par contre, lui, il est fatigué, le petit bichon. Donc, tu iras faire un petit dodo après avoir joué. Ouais, elle a fini de faire un livre! Bon, elle va aller manger. Ah, c'est toujours ça pris. Darren! Bichette! Ça y est, elle clignote! Oui! On va pouvoir faire le gâteau! Papa! Le gâtal! Le gâtal d'anniversaire! On va prendre un gâteau blanc. Comme ça, Darren grandit et on est débarrassé d'un bambin. Et ça, c'est merveilleux. Bon, bien sûr, je vous ai pas dit, mais Daenerys a perdu un peu son menton. Là, elle a encore un petit menton pointu, mais. Je l'ai quand même retouché, hein, parce que c'était juste pas possible. Bon, Bichette, elle va aller au lit. Allez, hop, dodo. Le monstre là aussi, dodo. Hop. Voilà. Et Bichette, c'est bien, elle fait sa life là, et puis elle va grandir. Bon, le chien a faim. Tu lui donnes à manger? Oh oui, t'es fatigué, moi aussi. Et puis après, ouais, tu. Non, pas souffler les bougies. Ouais, qu'est-ce que je fais pas comme bêtise? Chut, maman. Ça sauver les bougies. Darren, s'il te plaît. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Et toi, Darion, pendant ce temps-là, tu peux nettoyer, s'il te plaît, les assiettes qui traînent. Tu seras un amour. Attention! Attention! La bichette va grandir. Déjà? Ah non, parce que c'est juste buggé. Ouais! Darren devient une petite fille normale. Alors, comme la dernière fois, Drazik, je n'avais pas choisi ses traits. Donc, je vais retourner sur le truc aléatoire et puis je reviens vers vous. Et elle sera donc faculté motrice et perfectionniste aussi. Ça, c'est ici. Voilà! Vous
Oh, la bichette! Ma bichette! Fais-toi voir comme tu es jolie. T'es mignonne comme... comme ta mère, un peu quand même, non? Elle a l'air d'avoir les traits de sa maman, quand même. Vaut mieux, parce que vu la gueule du père. Elle est trop chou-choumette. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas dormir? Non, mais je vais te faire un lit, t'inquiète pas. Va aux toilettes, nous on va planquer le gâtal. Les monstres sont au lit, les parents sont partis au lit. Ok, super. Tout le monde dort sauf elle. Eh ben, je vais lui faire sa petite chambre qui sera ici. Elle est beaucoup plus simple à installer que celle de son frère, donc ben, je vais me faire plaisir. Et voilà la petite chambre de Darren. Toute petite mignonne. Bon, les couleurs seront bleu et violet et blanc. C'est un peu un mélange. Voilà, c'est un peu plus coloré que chez son frère. Je voulais pas trop tomber dans la facilité du rose, mais bon, voilà, j'ai envie quand même un petit peu de rose. Du violet, c'est bien aussi. C'est moi ou ce chien est encore dégueulasse? C'est pas possible. Mais pourquoi il est dégueulasse? Il est encore sorti. Oh, il va aller réveiller les gosses. C'est pas possible, ce chien. Parce que je suis sûre que comme il peut sortir quand il veut maintenant, eh ben j'ai pas vu et puis il a été faire le con. Oh, ça va, il redescend. On va lui donner un bain parce que là, il me paraît vraiment dégueu. Ouais, il est pas propre du tout. Ce chien est une plaie. Elle a même pas réussi à le foutre au bain, quoi. Oh là là. C'est un zombie. Le chien zombie. Hop là. Oh, le petit panier. Oh, bah moi, je vais dormir hein, quand même parce que c'est pas tout ça, mais courir partout faire chier les gens, c'est crevant. Hein. Oh là, mon petit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, D'Artagnan? Ouais, il s'ennuie. Ben oui, mais bon, t'es rigolo, toi. On n'a pas que ça à faire non plus. Hein. D'accord, Drazik est déjà debout. Bah, écoute, tu prends ton... Il va falloir que tu te laves, hein, sérieusement, parce que... Tu manges vite, hein? Et puis après, c'est... tu te laves les aisselles, là, parce que... Ça va plus. Tiens, 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 maintenant, Darren. Ah! Bah on est vendredi, elle va pas à l'école avant le lundi. Ah bah ça va, tranquille, ma fille. Notre fille. Ah oh là là, ça pue hein, quand même. Moi je dis ça. Voilà, hein, je préfère m'asseoir là sur les coussins. C'est plus mieux. Ça c'est quoi ça? C'est médiocre. Va à l'école! Oh! Non, va à l'école. Va à l'école. Va à l'école, Drasik. Il est en retard. Tu m'as fait un truc dégueulasse là? Bon, va pisser tout ça, Darion. Tu sais pas t'occuper de toi. Ce truc-là, on le met dans le frigo, mais tu vas nous refaire à manger. Tu vas préparer un grand repas. Non, 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 on va pas préparer un grand repas. Tu vas juste servir le petit déj de la brouillade. C'est déjà bien. Voilà ce que ça donne quand elle joue avec le chien. Oh, tu es un bon petit chien. Tu pues, mais t'es sympa des fois. Des fois. Oh, nous avons gagné la promotion et ça c'est bien. Dita a été promue créatrice de personnages. Je vois pas ce que ça veut dire, surtout dans... Ouais, d'accord, bon bref. Elle gagnera désormais 75 simfous de plus par heure, soit 455 de l'heure. Oh, mais moi je veux faire son métier, hein. Tout de suite maintenant, je signe, attention. En plus, grasse mat tous les matins, quoi. Tu commences à midi, non mais la joie. La joie. Elle a reçu également 3 720 simfous de bonheur. De bonheur. De bonheur. De bonus. Ah la vache, et on va continuer à travailler à la maison. Donc, ben, ça veut dire qu'on a atteint... Attendez, c'est ici. Le niveau 10. Oui, on a atteint le niveau 10 de la carrière. On peut débloquer une pièce. C'est donc cette pièce ici que nous pouvons débloquer. Avec la carrière niveau 10, avec 5, 5, 3 000 simflouz, pardon, je dis n'importe quoi. Je vais donc faire le code monnaie. Monnaie, et nous sommes à donc, 57 000 moins 3 000, ça fait 54 197. Je dis pas de bêtises. On est bien à 3 000 simflouz de moins. On est bien à 3 000 simflouz de moins. Je débloque donc cette porte-là. Qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien, parce qu'en plus, elle est au rez-de-chaussée et pour l'instant, ça communique pas. Donc pour l'instant, ça aurait été cette pièce-là, je veux bien. Mais non.
D'ailleurs, cette compétence, cette pièce ici, c'est une compétence 10. Et on n'en a aucune. Donc il va falloir quand même qu'on travaille là-dessus. Parce que tant qu'on n'a pas débloqué cette pièce-là et cette pièce-là, on n'a pas fini le challenge. Et en l'occurrence, on n'a pas aussi encore débloqué cette pièce-là. Et celle-là, c'est la fameuse avantage de groupe, désavantage de groupe, quoi. Voilà où on en est. Dans la tâche du jour, on doit trouver notre muse deux fois, donc ça va être facile. Atteindre le niveau 4 de la compétence photographie, 8 de la compétence peinture et 9 de la compétence charisme. Mais il y a du taf. Alors, ça trouve sa muse? Ça s'amuse ou ça m'umuse ou ça m'umuse pas, Lita? Alors, ok, trouvez votre muse. Mais ils disent deux fois, mais en fait ça me le valide une fois et c'est bon quoi. C'est quoi toutes ces toiles là? C'est à toi? Bah écoute, tu vas nous continuer ça et tu vas bosser un peu ta peinture aujourd'hui. Faudra qu'on fasse aussi pas mal de photos, donc on va s'amuser. Bon, le chien a besoin d'une promenade. Donc ça va être relou aussi cette histoire. Bon, tu mets sa laisse, s'il te plaît, Darion. Ah non, commence pas à me casser les pieds. Non, pas faire connaissance. Tu mets la laisse. Mets la laisse. Ta 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 ta, c'est où tout ça? On sait pas, c'est un vrai galère. Tu vas mettre la laisse à ce chien-chien, tout de suite. Bon, tu lui mets? Allez! Mettre la laisse, mais c'est pas possible! Tu vas me faire encore péter un câble, j'en ai ras-le-bol de ces Sims. Mais lui, la laisse! Oh, oui, c'est pas possible! Darion! Oh, je vais m'arracher les cheveux. Il le fait pas! Mais c'est pas possible! Mais la laisse! Je suis vulgaire. Mettre la laisse! Mais arrête de dire que c'est pas possible! Punaise! Tu vas aller dehors. Hop, tu vas aller dehors. Dégage. Je veux plus te voir. Voilà, tu vas appeler le chien. Je m'en fous. Ah non. Alors tu restes dehors. Tu restes dehors. Mais on est marre. Le chien, il va s'endormir maintenant, mais. Oh la vache, on dirait qu'il est en train de crever ce clébard. Bon, eh ben, feu le chien, hein. Voilà. Tu vas évaluer l'impression, tu vas vendre. Moi, je vous jure, je suis à bout de cette famille, y a rien qui fonctionne. J'en ai marre. Oh, punaise. Il a fallu qu'il monte quand même au deuxième étage pour mettre la laisse. Allez, va te balader! Wow! Plus ça te fait remonter ton divertissement, là. Relou, hein. Mais qu'est-ce que tu fous, toi, là? Non, alors, arrêtez de t'occuper de tes gosses. Ces gosses, on s'en fout, hein, ils se démerdent. Font leur vie, tu vas faire un paysage. Tu te dépêches, Lita. J'ai pas que ça à faire. Au moins une deuxième toile dans la journée. Drazik, lui, il est mignon. Et les gamins, ils s'occupent, regarde, ils font pas chier. Toi, tu vas au pot, mais c'est super. Et toi, tu fais quoi? Tu vas venir emmerder? Tu vas regarder ton frère? Tu vas regarder ton frère et ta sœur. En plus, tu commences à puer aussi sévère, c'est cool. Bon, je pense pas qu'il y a eu de promenade, parce qu'avec le temps qu'il fait dehors et tout le machin. Inko casse les couilles. Le chien il a quand même envie de sortir, mais finalement il aime pas le froid. Donc en fait il sort pas et tout le tralala. Mais au moins j'arrive à le faire baigner parce que là c'est plus possible. Dita nous a fait un chef-d'œuvre. Ouh! À 843, tu nous le vends. C'est super. Oui, tu vas en galerie. Et tu vas nous faire des petites photos. Hein, parce que là. Oui, voilà, tu vas nous faire des photos. Oui, niveau supérieur et tout, c'est cool. Tu vas prendre une photo de. Ah, on peut prendre les photos des enfants et tout. Allez, tu vas prendre une photo de Drazik, du coup. Voilà. Hé, je peux pas! Wesh, attends, tu crois quoi? Je peux pas faire une photo comme ça? Mais toi, bouge pas et du gland. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais vas-y, assis-toi là. Tu m'agaces. Tu vas t'asseoir, ta mère, elle va venir te prendre en photo. Allez, hop, dépêche. Pas que ça à faire, moi, parce qu'on se met énervé, ce bordel. Allez, hop, tu vas prendre une photo, toi. Dépêche, Dita! Oh. Non. Non. Ok, puis en plus, elle a des boutons plein la tronche. Mais oui, mais bien sûr, mais allons-y. Mais oui, c'est parfait. Ah. Non, mais. Daenerys, arrête de te promener nue. Je sais que
que tu aimes ça quand t'es entouré de feu, mais quand même, non, ça va pas être possible. Pff, puis alors le père, il a même pas. Oh, et l'autre, il pop, il dépop, tout va bien. Il est où celui-là, la crevette là? Tortue ninja là, il est monté. Le père, il la lave, mais en fait, elle est pas lavée en gentil. C'est la débandade totale. Ah, pendant que les amoureux là se font des toiles parce que lui, il a perdu de la notoriété, elle aussi. C'est ça d'avoir des enfants, hein, bah, on peut plus s'occuper. Non mais voilà. En même temps, il est censé. Il demande des promenades. Là, j'arrive à lui foutre. Puis la laisse s'extensible à mort. Je peux pas rentrer. Là, je demande de faire une promenade. Le chien, il revient à la maison. Tu nous casses les pieds, le chien, quand même, hein. Là, on va dire, qu'est-ce qu'il va pas me dire? Je m'ennuie, j'ai envie d'aller me promener. Bah oui, mais c'est toi qui m'aime pas depuis tout à l'heure à cause de la neige. Alors, viens pas me faire casser les pieds. Quoi, il a besoin d'aller pisser? Ce chien, je n'en peux plus. Tu peux. Il sait pas aller. Viens là. Mais regardez, il y va tout seul pourtant! Oh non, mais moi, ce chien, je n'y arrive plus. Oh. Après toute cette agitation, tout autant de voilà, tout. Hein? Un petit peu d'amour entre vous deux, là, ce serait bien quand même. Ça, on avancera aussi dans ça. Son inspiration. Voilà, des petits élans d'amour, tout ça. Ouh, tu es belle. Ouh, je te veux. Ouh, je te désire. Mouah, mouah, ma belle, ambellissima. Faire cacac dans le buisson. Bah non, il fait un peu froid, tu vois. Bon. On va aller draguer un petit peu. Voilà, ça grimpe, tout doucement mais sûrement. On est à 7 sur 50. Il en faut encore quelques-unes. Hein. Prends une pose sexy, Dita, vas-y. Hein. Sois désirable pour ton homme. Voilà, on monte un petit peu. Mais là, c'est un peu tendax. Hein, déjà, qu'ils se parlent eux, qu'ils parlent même à leurs propres enfants. Il n'y a pas le temps, quoi. Ça va pas. Bon, allez, moi, je vous dis que vous allez me faire un bon petit crac-crac des familles, là. Voilà, un bon petit crac-crac classique. Ah, en plus, ils sont tous malades. Ça commence à casser les pieds. Mais bon, hein, j'en suis plus à ça près. Elle a pas fini son assiette, c'est pas un souci. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais Daenerys, elle aime trop se balader à poil, hein, c'est un souci. Va au pot. Oui, Daryl, il va au pot, mais qu'est-ce qu'il est moignon, moignon. Et toi, Bichette, tu vas au lit. Allez hop, c'est fini. Toi, ça s'éteint. La télé, elle est bien éteinte. Oh, mais non, elle galope hein, maintenant, la petite. Hein. Daenerys, elle galope. Hein. Ça, avec son beau cheval blanc, elle galope. Eux, ils font du crac-crac. Les grands, ils sont partis dormir. Je vérifie qu'ils font pas la sieste. Non, ils dorment bien. Le petit Daryl, lui, il fait son petit pipi bien comme il faut. Et après, il ira au lit. Ah, je vous jure, c'est vraiment pas de tout repos. Mais bon, aujourd'hui, on aura avancé dans la carrière 10 de Dita. On aura acheté cette pièce-là. J'ai oublié de mettre la lumière, c'est pas grave. La petite Darren aura grandi en enfant et on aura fait sa chambre. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est toujours le bordel partout, hein. Faut pas s'inquiéter, c'est comme ça. Ça a l'air de bien se passer. Ah là 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 là. Et est-ce que ça compte de faire crac-crac? Oui, apparemment ça compte. Bah écoutez, je pourrais leur faire crac-crac encore 39 fois et on sera bien. Bon, je vais les laisser dormir. On va attendre que Daryl y finisse son truc. On en a pour 2-3 heures encore et puis il ira au lit. Enfin, il ira au lit. Oui, il ira au lit. Hé, hey, bichon! Non, tu vas pas t'évanouir! Va au lit! Oh là là! Alors, ils n'ont pas la force d'aller jusqu'au lit, mais alors ils ont la force d'aller jusque dans le canapé salon, parce que je vois lui qui était dans ce canapé. Pour s'évanouir. Au moins, il s'évanouit les fesses devant le feu. Hein, c'est mieux. Hein, ça réchauffe bien les bonnes parties. Ça doit être agréable d'ailleurs. Allez, petit Daryl, direction le lit douillet avec ta sœur à côté. Et moi, je vais en profiter pour vous dire au revoir. Bien sûr, voilà, ça rime plus. Je suis désolée. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement. Hein. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne si vous le voulez bien. Et allez regarder des petites publicités sur YouTube. Je vous remercie grandement d'avoir été là. Je vous dis rendez-vous samedi prochain pour la suite du challenge de la place du marché avec peut-être un peu moins de galères, mais ça, c'est pas assuré. Des gros bisous. Salut!